Bonjour à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va nickel, on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent en solo, trouvé par Tuto Facile France, le lien est dans la description. Donc c'est parti, pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'un complexe, avec dedans, enfin qui soit rempli avec n'importe quel type de véhicule. Ensuite, il vous faudra un garage que vous remplirez délégué et rachuite. Un garage si possible proche de votre complexe. Ensuite, il vous faudra un véhicule à dupliquer. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, je vais prendre mon véhicule à dupliquer dans le garage de fonction 1 en 14e position. Donc, une fois que vous avez votre complexe rempli, un garage à proximité ou pas de près, un véhicule à dupliquer. Donc, le véhicule à dupliquer, ça fonctionne avec tous les véhicules, mais s'il vient de chez Beniz, vous le revendrez plus cher. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez mettre votre point d'apparition sur votre garage. Donc comme vous pouvez le voir, mon point d'apparition est sur le garage où il y a mes élégies RH8. Donc je vais vous le montrer. Donc, je vais vous montrer aussi que mon complexe est bien rempli à bord. Hop, regardez. Mon complexe est bien rempli et Senior Away est bien rempli. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir commencer le glitch. Ensuite, le type de session où vous êtes ne change rien. Je suis dans une session publique, ça fonctionne dans une amie, ça fonctionne dans une invite, etc. Donc, vous allez avancer vers votre complexe. Une fois que ce message apparaît, vous allez le confirmer et faire trouver une nouvelle session. Donc, on confirme, start en ligne, trouver une nouvelle session et on spam. Là, ça nous envoie dans les nuages. Alors, il se peut qu'il y ait des fails, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est pas grave, ben vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez, vous réessayez, et vous réessayez, mais jusqu'à y arriver en fait. Ce glitch sera patché que quand moi j'aurai mis dans le titre « patché ». Vous inquiétez pas, j'ai des personnes qui vérifient quasiment toutes les heures si le glitch est patché ou s'il n'est pas patché. Donc normalement, je suis à l'heure pour vous mettre ça. Donc on attend de spawn. Si vous avez bien respecté tout ce que j'ai dit, ça devrait fonctionner. Si vous pensez avoir tout respecté et que ça ne fonctionne pas, regardez la description, j'ai mis un tutoriel dedans, parce que c'est vraiment le glitch le plus simple en solo que je connaisse, et c'est pour ça que je vous en fais part, c'est d'ailleurs mon retour aussi, grâce à Tuto Facile France, je le remercie encore d'avoir trouvé ce glitch. Donc on attend de spawn. Pour information, le garage où il y a les élégies, il n'a pas besoin d'être plein d'élégies. S'il y a des élégies dedans, c'est bon. Parce que ce sont des véhicules que vous allez perdre. Véhicules de la rue ou élégies, c'est la même chose pour moi. Voilà. Aussi, ce qui peut savoir si ça a fonctionné ou pas, c'est le fait que les nuages soient longs ou pas. Si c'est long, y a quelques petites chances que ça ne fonctionne pas. Si c'est court, normalement, ça fonctionne tout le temps. Qu'on attend toujours. Parce que moi, je parle. Mais en même temps... j'ai arrêté de parler. On attend. Donc voilà, ça c'est normal. Ensuite vous avez une vue sur votre garage, le chargement du garage, c'est normal. Et là attention, moment de vérité et en même temps de gloire. Regardez. Et donc si ça vous fait comme moi, si vous spawnez à pied normalement, ça n'a pas fonctionné, vous recommencez. Donc je vous ai laissé ce fail en vidéo pour vous montrer que il peut y avoir des fails et que pourtant moi qui connais bien le glitch et qui sais exactement comment faire, ça peut ne pas fonctionner. Donc je vais faire une petite coupure le temps de pouvoir de nouveau commander mon véhicule parce que normalement je ne peux pas là. De toute façon je ne peux pas. Donc allez, à tout de suite. Donc on se retrouve avec la même élégie rétro custom. Donc pour ceux qui ont fait attention à la plaque, vous verrez qu'elle est là. Alors oui, j'ai oublié de préciser dans ma vidéo qu'il vous faut une plaque personnalisée. Parce que si ce n'est pas une plaque personnalisée, ça ne fonctionnera pas. Enfin si, ça fonctionnera, mais les véhicules que vous vendrez perdront de la valeur au fur et à mesure du temps que vous attendrez pour les vendre. Donc voilà, j'ai oublié de le préciser, j'en profite pour vous le donner maintenant. Donc on réessaye, voilà. On se met devant le complexe. On fait ça. Vous êtes prêts? Et là, start en ligne, activité, trouver une nouvelle session rapidement. Plus vous faites rapidement, mieux c'est. Alors c'est parti, on attend la fin du chargement. Je vous mets une petite musique d'attente.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. J'ai un menu d'échanger de véhicules. Donc regardez, je vais changer le premier. Ma Elegy Retro apparaît. Donc regardez, avec la même plaque que tout à l'heure. Et vous allez voir que si je vais sur Internet, à la place, à la 14e place, il y a ma Elegy. Donc regardez, je vais vous le montrer. Pas là, pardon. C'est là. Regardez. Hop. 14e place, garage de fonction 1, c'est celui-ci, et comme vous pouvez le voir, ma Elegy Retro est toujours dedans. Donc, étant donné que c'est la même plaque, je vous l'ai dit en vidéo, il vous faut une plaque personnalisée. Si vous n'avez pas de plaque personnalisée, les véhicules, vous les revendrez moins cher. Donc j'espère que ce glitch vous aura plu en solo, un live arrive, merci à Tuto Facile France, bye bye, peace over.